Yep. Voilà, nickel. On va les changer. Hop. Alors, laissez-moi faire un truc. Gorge 6 du major Sonnel. Informer ma prise de service en attente d'affectation. Ah, je vais attendre. Alors. Hop. Ah merde, je peux pas en prendre. Attendez, j'ai un petit problème de type problématique. Ah voilà, non. Ce serait mieux comme ça. Hop. Bienvenue à ceux qui arrivent. 2 secondes, je suis en train de tout mettre en place. Nickel. Je vais enlever mon retour. Au moins le son de mon retour. Hop, hop. Et hop. Si bien vous entendez tout. Et voilà, je vous ai mis le son du jeu, donc vous aurez tout ce qui se merde. Voilà. Alors. Voilà. Hop. Nickel. On va s'équiper comme un portage. Ah si, je sais ce qu'il faut faire. Hop, nickel. Comme ça, hop, on est opérationnel. Alors bien sûr, la coutume veut qu'on prenne deux stop stick. Oh non. Bon, mes respects. Hop, et ça. Est-ce qu'on a la place pour en prendre un deuxième? Non, 3 kilos, non. On n'a pas la place. C'est pas grave. On prend que deux, on se fera l'affaire. On sait pas, les 3 fois on utilise des plots pour. C'est pas les 3 fois on utilise des cônes de Lübeck que bon. Donc j'espère que vous allez bien. Par rapport à ça, nickel. Donc aujourd'hui, petit stream. Je vais faire ça jusqu'à 19h30 parce que ce soir il y a un autre. Moi j'essaierai de faire un stream. Je sais pas si je vais y aller en tant que sire Bonjour, ou mes pas pour prendre des respects. photos. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Et peut-être temps de changer ma tenue. Ouais, effectivement. Effectivement. Attendez 2 secondes, je vais fermer ma porte. En espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes aujourd'hui. Non, il n'y en aura pas trop. J'ai redémarré mon PC avant de démarrer le stream. S'il y en a, je comprends pas. Bon, Hop. s'il y a un papillon qui vient sur moi instantanément, c'est pas de ma faute. Je l'avais déjà appelé avant qu'on me de faire un retour à la BTR. Il risquerait peut-être de venir. Hop, hop. Vous mettre en tenue nuit là. C'est qui que j'ai pas vu? Bonjour, mes respects. Bonjour, mes respects à vous de partager. Hop. Bonjour à Par contre, tous. pour quand? Bonjour, mes respects. Ouais, Faut qu'on se mette en tenue veste c'était vous là. qui avez appelé, Ouais.
Ah, Qu'est-ce qu'il y a? salut, Bah, Pam après, on Nuit, est du très coup, bien. ouais. Bien, et toi? C'est que tu sais Bonjour. en appelant je ne sais où. Ça va, qu'est-ce qui se Merde. passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Attends, non, attends, rien, j'ai rien, mis rien. les oreilles en jam. Pas de J'ai problème. rien dit, hein, tu sais. Ouais. Salut, Yuyu, bienvenue à toi. Il est où Qui? Il est le parti lieutenant se Colonel changer, il est parti Ben? se mettre en tenue de nuit. Tenue de nuit? Bah, Oui. Mais il est pourquoi tenue 17h15. de nuit? Non, mais on va arrêter avec cette connerie, c'est bon. Ah ben moi je sais pas, moi je sais c'est Maintenant si il fait écrit. jour. Maintenant il fait jour à 17h15. Pour le Ouais, il fait moment. jour. Ah bah attends. On était bien en polo, T'inquiète, franchement, en il y en polo. a, il y a, Ouais, y c'est bon, a c'est déjà fini. quelqu'un qui a dit de voir avec Rames. Il y en a, Ouais. il a dit l'heure d'été arrive bientôt. Bah oui, bon, on verra ça l'heure d'été. Voilà. Non mais là maintenant il fait jour à 17h, on va arrêter les conneries. Ça va, Gonzalo, tu sens rien. Il est Mon 17h, tu vas lieutenant, rentrer le chez toi. major Saro n'est pas content. En parlant de ça, Bon, mes du coup on respects, fait mon quoi? lieutenant. Jour rouge. Je joue pour l'instant, reste en nuit, on verra si ça change. On se met en jour ou en Toute façon, nuit? c'est juste une veste hein, qui change hein, au Oui, final. c'est vrai, t'as raison. Ah oui, mais c'est... Oui, mais non. Ouais, avec le polo, on est quand même plus Je crois qu'il est mieux. en désaccord, Saro. Au pire, t'as la veste sans manche, c'est pas grave, reste comme ça. T'es beau. Sinon, moi, sinon je fais comme toi, moi, vu que je suis pas trop avec toi, je me mets en bleu, hein. Dans ma Enfin, en tête, il va bleu. falloir faire déjà. On va voir. Ou plus serrer les rangs, même vous Je plus vais mieux, encore parce qu'il n'y a pas je vais beaucoup de faire la monde. grève. Je Ah oui, merde, suis la pas grève, sûr qu'il c'est va vrai, je suis con, accepter. moi, aujourd'hui. Mais dites-moi, mon lieutenant. Bonsoir, major. Bonsoir. Sans mon Dites-moi, lieutenant. à 17h, maintenant, il fait nuit à 17h? Il est en Non, mais... désaccord. 17h, il fait plus nuit, maintenant. Pourquoi à la fin de la Hein? stage, on Sors avait à dit 10... qu'on ramenait 200 À chacun, c'est bien? 17h, Je comprends il pas. fait plus Je nuit, comprends maintenant. pas ce que Merde. vous faites, monsieur. Pourquoi Mais on fait pourquoi quoi, tu on fait cries quoi parce ici, que tu crois incompréhensible? qu'il t'entend pas? Oui. Incompréhensible. Ligne, ça? Une ligne? Oui, c'est Ça? presque une ligne. C'est une demi-ligne. C'est Comme un une cancer. ligne mais avec un cancer, on va dire. Le C'est vrai. matin. Qui veut le requin? Je Tu parles suis pas pas comme roux, je ça, suis un Gonzalo. petit peu roux, c'est tout, c'est mon. Ouais, je suis roux. Non, t'es roux. Ouais, c'est. Tu vas rater un bus avec ta tête, hein? C'est. Non, non, bah non, non, moi j'ai pas besoin, hein. Vous inquiétez pas, hein. Bah, des petits cons, hein? Bon, bah. Hop. Au moins, c'est dit. Ince? Putain, vous faites dans le recrutement, mon lieutenant. Ouais. Non, y'a un requin là. Mettez GIGN, c'est pas mal aussi. Ouais, non, je me compare pas avec eux. Ils ont toujours pas rajouté celui qu'on a. Bah, de ce que j'ai compris, non. Oh, T'as fait c'est quoi bête. dessus? Groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes. Tu sais Ah, qu'avant ok. qu'il rajoute un truc, tu peux prier. Hein. Oui, je sais. Bah, je sais que pour Tu la police peux nationale, ils vont rajouter prier des choses. à l'église, à tout ce que tu veux. Hein. Pour la police nationale, vous inquiétez pas, ils vont rajouter des Tout à l'heure, choses. j'ai vu sur le commissaire, 308, excusez-moi, ils sont bonnets. Pourquoi le commissaire il a un bonnet? Malheureusement. Pourquoi il a un bonnet le commissaire? Ah ouais. Un bonnet avec son grade. Avec un commissaire, avec son bonnet. Hein. Ah, je savais pas. Du en chef, là, du RP ici là. Bah, mais comme je suis le corps, vas-y. On branle. Vas-y, on se prend pas mal. Oh Ouais, tout son. Société What? intentionnelle, sonnelle. Il t'a fracassé la gueule, hein. Intentionnel, Sonnel, t'as vu? Jeu de mots. C'est sûr que c'était intentionnel. Entraînement de boxe. Ah, merci, bonsoir. Bonsoir. Bon, bienvenue à ce carré, les gars. Je sais pas combien de fois je le dis ça à chaque fois sur ça. L'autre fois, j'ai regardé une rediff, j'ai vu que je l'avais dit 5 fois en l'espace de 2 minutes. Je me rends même pas compte quand je dis. Ouais, tu peux faire minimum 2, 3 PAM. Hein. Après, t'as quoi? T'as de la Dites-moi, DSI ou c'est pas? qui la pamule de la T'as. pépite avec T'as Maxine? un. T'as 2 gars pour la Violette DSI. avec Connard? 3 Ouais, normalement, ouais. T'as de quoi faire une DSI de PAM. quand c'était Taran et Sonnel. Parce que vous avez compris. Hein.
Ça me tue. Ça me tue. On y va. Ouais. Mon nom n'a pas été appelé, à moins que j'ai mal entendu. C'est bien vous, Maxine. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est moi, bon, ouais. Malik. Ouais, voilà. Pas mûri. Ouais, on y va. Pensez à prendre vos services, les gars, auprès de la madame oh, à l'accueil. Putain, c'est clair, parce que ah, okay. Là, je vais vous détruire. Hein. Bon, c'est fini. Je parle correctement de rien, je dis. Ouais, on y va. Je suis avec qui j'étais. Moi non plus, je crois que je suis avec toi, mais je suis pas sûr. La panne 1. Comment les deux vous êtes avec moi? Oh là la patrouille, au secours. Alors attendez, hop, hop. C'est l'équipe, là je vous le dis. Faut pas qu'il y ait un truc. Hein. Pourquoi t'as mis une radio? Bah parce que, tu veux, sinon je parle dans quoi? Attends. Je vais prendre un haut-parleur, je vais crier. C'est pour ça que j'ai mis une radio. La gazeuse, je l'ai mis dans la portière et l'arme, ben. Bah... Je peux me permettre un commentaire sur ta radio ou pas? Ouais, t'as vu, elle est moche, hein. Elle est bien, c'est bien dégueulasse, c'est bien. Je m'en fous. Bah attends, bon, on va attendre là. Je m'en fous, tu vois, c'est pas pour faire beau, hein, c'est juste pour avoir une radio. Hein. Je préfère ça que des trucs suréquipés. Suréquipé, moi. Un peu. Un tout petit un poil, c'est qui dedans? Ça, je pense que c'est la nôtre. Oh merde. Ah non. Ah non, non, c'est pas la nôtre. Oh putain. Celle qui vient de se placarder dedans, c'est probablement la nôtre. Plus des cons, hein. Bah, alors là, c'est pas du level. Ah bah il y avait une chance sur deux pour que ça soit Rox. Forcément fallait qu'elle se... fallait bon, c'est bon, c'est Rox, fallait qu'elle se fasse pas casser la bonne. Qu'est-ce qu'il a branlé? Ah lui, c'est hein. Par là. Ça fait longtemps que vous avez pas conduit mon lieutenant. Ah, ça fait longtemps que j'ai... Ça fait longtemps que j'ai pas vu la Vierge Marie. Hop, allez dans la voiture. Mais quel connard celui-là! C'est le cas de le dire. Je te soutiens au oh, connard. Je suis... Ouais, merci. Ah, c'est pas moi qui choisis le véhicule, c'est le conducteur qui choisit. Là, et là en plus, là, le conducteur c'est le lieutenant, donc on va le laisser choisir. Enfin, on va pas avoir choix du coup, vu que c'est le gradé de la patrouille. Même si là, la patrouille est quand même assez composée de gradés, un lieutenant et deux majors, j'ai jamais vu ça jusqu'à présent. La marche nordique? Après, l'autre PAM, elle est constituée... Bon, ça me parle pas. Bizarre, bizarre. T'as deux autres PAM, même. Nous sommes la PAM 3, c'est ça? Je sais pas. Juste attendez deux secondes, je vais répondre à un message. La PAM 3. Oui, camion, regarde, il y a un camion. Pouette, pouette. Coucou. Saro, tu gères ou je gère la radio? Oh, attends, je vais faire le départ radio. Quand Giro 6 des PAM 3, parlez. Parlez. Et pour t'informer d'un départ patrouille de la PAM 3. Rox, t'abuses. Eh, pour info, je suis en caméra. Hein. Ouais, je préfère le dire au cas où. On sait jamais. Ah, donc y'a des mots interdits? Ouais, ouais. Ouais, y'a des mots vraiment interdits, oui. Ouais, ouais, ah, genre par exemple. Oh merde, putain! Mais non, mais merde! Mais je suis volonté, désolé, c'est ma faute. Putain, mais quel GoPro sonnel, hein. Mais non, mais putain, je voulais parler et j'ai appuyé sur autre chose. Ah, super! Oh putain! Oh merde, je suis fatigué. Genre, faut pas parler de tonton Adolphe, c'est ça? Ah putain, arrête! Sérieux? Il faut pas parler de plein de choses, justement. Non, parce qu'il était cuistot et sa spécialité c'était les petits fours, mais très très cuits à tonton Adolphe. Oh non! Mais tu sais que l'autre fois, eh, il y en a un qui s'appelle, comment, une personnalité qui s'appelle sur TikTok, un certain Toku, qui a fait une énorme boulette l'autre fois quand j'étais en caméra aussi. Mais genre, il arrive en CRS, en voiture, et il me sort des dingueries. Je lui dis, mais en fait, je suis en caméra. Oh! Et après, il m'a plus parlé. Il peut venir me parler. Tout à l'heure, je l'ai vu avec sa 308 SW, là, police. Du coup, j'ai une question. Oui.
Votre pâtisserie préférée, c'est quoi? Arrête, moi, non, c'est... arrête. Parce que moi, c'est Hitler au chocolat. C'est quoi? J'ai entendu. Hitler au chocolat. Je vais rien dire sur ça, mais bon. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas très à l'aise là. J'ai pas immunité. Lui, sa voix, mais. J'ai pas immunité. La prise d'évacuation de la famunité à bord d'un Peugeot 5008 de militaire armé opérationnel. Tu es policier, bien joué. La petite. Lui, tu sais que c'est la pépite. Pas mal en vrai. Et c'est le seul qui sur la radio D s'appelle, enfin, à son grade de GDC. Hein. Pourquoi? C'est le seul à avoir mis au lieu de GND, GDC. J'ai pas compris que c'était pas. Ouais, elle a pas dû comprendre. Après, dans la réalité, il y a ni G. En fait, il y a pas GSC. Oui, mais bah, oui, mais t'es obligé d'adapter aussi un peu sur les bords. Moi, je signe GND par exemple. Oh là là. Non mais sérieux quoi. Je pense que je vais pas terminer la journée, je sais pas pourquoi. Bah, si je savais l'affectation que j'allais avoir, j'aurais pas lancé de stream. C'était quoi? C'était de faire c'est que si la voiture se crash, il y a 6000 ou 7000 euros de solde qui soient éliminés d'un coup, c'est ça De major avec un lieutenant, le prix de la vacation est cher. Hein, si ah le blé et le les blessés, c'est pas ouf hein. Quand même. Nous trois, on peut pas rembourser regarde, la bagnole tellement qu'on est cher. Oh, y'a deux voitures qui font barrage. Tellement qu'on est cher, on peut même pas. Notre prix équivaut pas au partenaire. Hein. Voilà, c'est sûr. Voitures en barrage. Non, mais ça se trouve, c'est même pas intentionnel. Non, la Castellane, c'est pas intentionnel. Athéna, pourquoi pas. Mais là, mais regarde, y'a personne en plus. Cool, les inculés, j'ai vu des magasins sur eux. Castellane ou Athéna? Le mec il commence à frapper la bagnole et il me dit maintenant que je fais quoi hein, alors toi mon pote et 500 minutes tu les as bouffés dans ta gueule. Mais Athéna? Non là. Ici. Ah mais de plus en plus ça y est. Je sais pas si t'as vu tout ce qui s'est passé hein. Hier on a passé. J'ai fait 1h30 de vacation. En 1h30 de vacation, je crois que j'ai jamais autant bossé sur des fusillades et des règlements de compte. Entre la Castellane et Athéna. Bah, des gars qui habitent à la Castellane mais qui se disent pas de la Castellane. La Brie. La Brie. C'est un fromage le Brie, hein, faites gaffe. Hein. Bah, je sais pas, tout à l'heure, les collègues ils m'ont dit ouais, il y a le Brie, je sais pas quoi. Oui, mais on les a croisés aussi hier soir. Et... Ouais, apparemment, ils étaient en DS9 tout à l'heure, donc il vaut mieux pas que je les croise. Que le mec qui soit de la Brie ou pas de la Brie, je lui dis. Depuis quand il y a la BRI? Depuis hier, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris, tout à l'heure, les ai vus sur un AVP, donc... Ah bon? La BRI sur un AVP, mais on aura vraiment tout vu. Hein. Mais apparemment, c'est officiel, mais... Officiellement c'est officieux, futur, dis donc. Futurement officiel, de ce que j'ai cru comprendre dans une GoPro que j'ai vue. Ah, toi, t'as vu la même GoPro que moi ou t'en as vu une autre? Bon, j'ai vu 3 minutes, hein, parce que sur la GoPro, fait 1h30. Hein, donc, Moi, je vais monter le gosse. On va voir pour monter un gosse. Quoi? Hein? Ils font des enquêtes, apparemment, mais... ils font des enquêtes sur la Castellane et Athéna, apparemment. Mais... Ah, bon. Ah ouais? D'accord. Mmh. Si ils faisaient vraiment des enquêtes, ils verraient que nous aussi, on en fait, quoi. Bon, après, c'est pas bien. Ils ont pas vu leur procédure. Hein. Ouais, non, mais... C'est ce qu'ils disent. Quand tu les vois, apparemment, ils te disent que c'est une BAC. Et quand tu les vois sur fusillade, ils ont un gilet BRI. Ils te disent qu'ils sont de la BRI. Ah, bah c'est une BRI-BAC. Une BRI-BAC. Ah, c'est la BRAC. C'est bon où il y a des. T'es d'accord que c'est dur la Sonnelle, non? Ouais. Moi aussi, c'est très dur. Non, c'est y'a que toi que c'est dur. Donc ça, on le sent que c'est dur pour toi là. Ah ouais, bah après. Après, et sur le serveur, c'est un peu différent, il va un peu plus vite. Ouais. Par rapport à la réalité, effectivement. C'est une horreur. Allô? Major? Ah oui, lieutenant. Le connard. Oh non, t'inquiète, hein, c'est pas grave. Appelle-moi Major, tu vois. Ah merde, c'est vrai, putain.
Ou enfin, mon lieutenant, je vais vous informer quand même que sur les réponses de candidature et également sur votre prise de service, vous avez mis quand même major, hein, mais bon après... Ah non, la prise de service c'est pas possible. Bah je vous dis, vous regarderez le galon que vous avez mis, c'est un galon de major. Hein. C'est bizarre, pour être sûr, vous allez quand même vérifier. Et je l'ai encore sous les yeux. Ah, il vient de changer. Je l'ai vu. Par contre, ça faut que je fasse ma prise de série. Il a plus cassé sa voiture. Non. 17h15. Là, ce soir, je vais y passer la soirée. Donc, 15. 1, 1. Bon, con lui ou quoi? C'est pas un problème. T'as pas l'impression que ta bagnole est pétée, non? Non tu... Si, ah, tu vas l'amener au garage. Tu vas surtout finir en garde à vue, hein, si on roule comme ça. Oh, les menaces du major, quoi. Du lieutenant. Désolé, c'est une insulte pour certains. Enfin, mon clavier. T'inquiète. C'est pas grave, hein, ça bug. Du moment que je comprenne, moi, ça me va. Vous avez vu la vitesse qu'elle est passée? Par contre, le partenaire sur le serveur, il rebondit, mais un truc de fou. Hein. Là, tu vois, on prend un rebond, le machin, t'as l'impression que c'est un trampoline. Quand tu regardes, il rebondit de fou. Hein. Florian. C'est moi. Cette candidature, moi j'ai marqué major. Bah ouais, j'ai vu ça, j'ai dit bon. Peut-être qu'il Non, mais t'étais sous lieutenant à ce moment-là, mais j'ai dit peut-être qu'il aimait être major et qu'il veut toujours l'être. J'ai suggéré au lieutenant de Vettler, je pense que c'est bon. Il verra pas. Il verra que... Tu vas avoir la peur, tu vas avoir... J'ai moyennement peur. J'ai un capitaine qui me défend au pire des cas. Les bâtards. Putain, on va... Oh putain des... Voilà. Ah, mes fesses, et derrière ça fait mal, ça rebondit beaucoup, hein. Ah, attends, t'as vu l'âge du... T'as vu l'âge du partenaire, mon pote, d'amortisseur, hein, ils sont neufs, hein. Ils sont neufs, hein, ouais, non mais. Je pense que c'est aussi la conduite qui m'a fait mal au cul, là, c'est pas. Y'a pas que la voie, y'a pas que le véhicule. Ouais, bienvenue à toi, le gamer. Le gamer. 25, bienvenue. On en dit 24. J'imagine, Sonel. Machin, il a l'âge de ta fille, tu vois. Non, quand même pas. J'ai mis quoi comme âge, mon perso? Putain, si j'ai mis mon âge. Au revoir. Pourquoi? Non mais. Il allait nous faire au revoir, hein. Mais regarde, mais j'ouvre la porte tout seul. Ah mais non, c'est la porte qui va le fermer. Il y a un mec à droite avec un masque et un cadavre. Hein. Tranquille. Alors toi? Il y a la dame morte par terre. Vous la voyez aussi ou pas? Ouais, je lui ai mis une patate parce qu'elle m'énervait. Ah, d'accord, donc vous. Là, vous venez de nous dire que vous avez. Enfin, vous avez tabassé la dame, là, vous venez de nous le dire, là, c'est. Non, j'ai rien. Bah, si, ouais, si. Bah, arrête de te changer aussi, c'est bon, t'as pas un dressing sur toi. Hein. Voilà, c'est bon, je sais où est-ce que je voulais. D'accord. Donc, déjà, vous tabassez une dame, en plus, vous êtes cagoulé, y'a rien qui va, là, en fait, au final. Non? Non, c'était une question en fait, donc j'attends une réponse. Mais si, tout va bien. D'accord, oui. Donc le masque, vous allez l'enlever quand même, non? Pourquoi? En fait, là dans l'idée, on peut pas considérer qu'il est... Certes, il a peut-être frappé quelqu'un, ouais, mais voilà, c'est pas un vrai joueur, donc c'est un peu compliqué. Bon, on va le laisser lui, parce que je crois qu'il comprend pas. Bon, sacré, vous m'avez pas l'air d'être la chips la plus croustillante du paquet, monsieur. C'est clair. Parlez. Bon, pour avoir du renfort au niveau du 80-65, on était sur un contrôle d'une Tesla, un individu a nous a rentré. Non mais il continue en plus cette âne. Tu peux arrêter? Oh putain.
Non, mais pourquoi il fait... pourquoi il met un coup de capot dans mon commissariat, on fait coopération avec la chaîne. Ah ben alors, on le fait. Enfin, nous, on aimerait bien le faire sur l'île, sur le serveur. Sauf que le problème, c'est que la PN, ils nous font des bâtons dans les roues, ils nous crachent dessus. Donc comment te dire que c'est hors de question qu'on leur dit, enfin, qu'on fasse plus de coopération avec eux. C'est que ton grille-pain, il est déjà actuel. Moi, je serais pour, hein. Et avant d'être de passer en gêne sur le serveur, j'étais en PN. Moi, j'étais pour. Hein. Et avant, ça fonctionnait. Mais en fait, mais... vu qu'on change de DDPN maintenant, enfin de DDSP, ici, ils appellent ça un DDSP encore. Ils sont encore à l'ancienne. Moi, je suis sur les nouvelles. Donc, vu qu'ils ont changé de DDPN, nouveau DDPN, adore nous cracher dessus et nous faire chier. Donc, c'est hors de question. Moi, perso, en tout cas, mon avis sur des questions qu'on les aide et autres pour qu'on se fasse cracher dessus après. Sérieux ou tu blagues? De quoi? T'es sérieux ou tu blagues? De quoi tu parles? Là où je te parle. De qui? À Brignoles. Où les collègues? Nous n'aurons jamais de réponse à cette ils question. Sont où à gauche, les au collègues 80-65, il m'a dit. Ouais, il m'a dit, il est ici, connard. À gauche, il y a personne à gauche. Bah écoute, il m'a dit 80-65. De l'autre côté. De l'autre côté de la rue, peut-être. À droite. Peut-être de l'autre côté. Vous êtes sûr, mon lieutenant, vous voulez pas que ça soit le Major Sarro qui conduise? Je vois quelqu'un? Non, non, mais y'a personne. Bon, bah c'est bon, on reprend patrouille, hein, c'est bon. Ou alors c'est 81-65, le problème c'est que des fois y'en a certains et. T'entends ça parfois, donc c'est compliqué. Et tu connais à Brignoles, je connais un mec, c'est. Il gère le truc de karaté. D'accord. Karaté Kid? Non, c'est pas karaté. Je sais quoi que j'ai vu. En parlant karaté, j'ai une blague. Oula. Ça me fait peur quand tu dis j'ai une blague. Non, j'ai une blague, elle est bien. Oh mon lieutenant, vous faites vraiment mal aux yeux, hein, par contre. Ah ouais, putain. Je sens qu'on va retourner voir Bertie là, c'est. C'est en bonne voie. Du coup, je vais te faire ma blague, Sonel, et. Voilà, ouais, bah avant qu'on meure, ouais. Raconte-nous ta blague, connard! C'est un mec, il va dans une animalerie pour acheter un chien. Oui, je la connais. Et il demande au gars de l'animalerie, ouais, voilà, je voudrais acheter un chien de garde et tout, pour protéger et tout ça. Et le mec, il lui fait, bah écoutez, un chien de garde, j'ai le must du must. Voilà, j'ai un caniche, là, regardez ce caniche-là, là. C'est le must du must. Le mec, il regarde le gars de l'animalerie, il fait, vous rigolez ou quoi, c'est un caniche. Puis je prends quoi d'un caniche en chien de garde? Toi tu la racontes trop bien, moi j'ai vu sur Six. Le mec il fait, bah écoute, écoutez monsieur, là je vous dis c'est le must du must parce que ça c'est un chien qui fait du karaté. Il fait, écoutez, moi je vous dis, il fait du karaté comme personne. Je crois pas, non. Et putain, le mec il fait, tu rigoles ou quoi, vous rigolez ou quoi? Attends, c'est un chien qui fait du karaté. Il fait, ouais je vous assure, regardez, il faut lui faire comme ça et vous allez voir. Ton nom à lui c'est karaté et vous lui faites. Karaté la porte. Le chien il saute sur la porte qui est à côté, il fracasse la porte en deux. Oh, tu la racontes trop bien. Tu la racontes trop bien. Le mec il regarde le gars de l'animal, il fait, attendez, mais j'ai vraiment vu ce que je viens de voir là. Il fait, ouais, bah allez-y, essayez. Le gars il regarde le chien, il lui fait, ok, karaté la table. Oh, le mec, le chien il se jette sur la table, il la fracasse en deux. Putain, le mec il regarde le chien, il fait, bah, putain, vous savez quoi, je vous l'achète. Donnez-moi le prix, je l'achète. Il fait, écoutez, je vous fais un prix et tout. Ouais, 500 balles, prenez. Le mec, il prend 500 balles, il paye le chien, il part avec. Ramène le chien à la maison et tout. Puis donc, le soir, le gars, il reçoit donc des potes chez lui et tout. Il fait, putain, les gars, je vous ai pas dit, j'ai acheté un chien et tout ça. Ouais. Bah, attends, bouge pas, je vais te le chercher. Il va le chercher, il ramène le chien et tout ça. Il fait, ça, c'est un chien et c'est un chien de garde. Vous allez voir, c'est le top du top de ce qu'ils sont en chien de garde. Ses potes, ils regardent, ils font, tu rigoles ou quoi? C'est un caniche et tout. Tout ce qu'il y a, tout, là, il est plein de poils et tout. Il sert à rien ton truc là, il fait juste rire. Il fait, mais attendez les gars, c'est un chien qui fait du karaté. Il a fracassé des trucs devant moi et tout, je vous assure. Mec, il fait, rigole. Mais si, tu lui dis et tout, il fracasse ce que tu veux.
Et donc là, son pote, il fait tu rigoles ou quoi? Et comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Karaté. Il fait d'accord, il fait à Karaté, Karaté, mes couilles, oui. D'accord. Ok, d'accord. C'est par derrière. Putain, ils sont cons. Il y en a, il manque pas d'inspiration. Après, j'en ai une autre. Moi, j'essaye d'en appeler, du coup, c'est pas sa merveille. Je sais pas si je pars. Et ça, on est deux bons véhicules. Qu'est-ce que tu l'en cam quand même? Ouais. Bon. Je dirais plutôt ce soir. Ouais, après, ça dépend des. Ça dépend, vous êtes sûr, des commissariats, des bruits. Ça dépend si aussi du service dans lequel t'es. Les bâtards. Oh, parce que s'il y en a qui sont de ce bord-là. C'est limite. C'est. Ouais. C'est du bord. Du bord glissant. Bord borderline. Line border. Sinon, tu peux pas mute ton truc là. Hein? Bah non. Tu peux pas couper tes oreilles genre. Bah non, parce que du coup on entendra vraiment rien. À part moi parler dans le vide. Et je pense que ça serait un peu débile, tu vois. J'en trouve d'autres, hein. Parce que j'en ai en plus, hein. Oula. T'en as beaucoup en stock, c'est ça? Faut que je les retrouve en fait. Par contre, celle-là elle était drôle. Putain, pour une fois que tout le monde a pris son service avec le muscle, c'est rare, hein. Oui. Hein? Hey, hier soir, en parlant de ça, Major, hier soir, ils étaient une vingtaine, hein, la police, quand même. Oh, bah c'est normal, ils ont fait un recrutement. Hier? Ouais, je crois, ouais. Bah, il y avait que des gardiens. Il n'y avait aucun stagiaire, aucun élève. C'est quoi le gars qui court à droite hein? Je sais pas. Il a peut-être volé un truc. On se veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Bah, je sais pas, il court, il nous voit arriver, il a peut-être volé un truc. Directement volé, bah ça se trouve il a fait autre chose hein. Et... à côté d'Athéna. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve il faisait idyllé hein, tu sais pas. Ça se trouve c'est oui, même. Sinon, idyllé du stup. Ça se trouve hein. Il est juste venu acheter sa dose hein. Après, j'en ai plein d'autres moi aussi, mais il faut que j'évite de les dire parce que là il y a la caméra. Oh, vas-y! Ah non, là si je fais ça, il va vraiment finir! Tu prends merde! Vite, rien. Welcome to the goulag après! Ah non, bah disons que ça commence. Si on commence à parler des arbres, après ça pose un problème quoi. Ah ouais, bah... Ah oui, d'accord, oui! Moi c'était pas ça, mais c'était. Ah non, moi clairement! De sexualité. Oui, j'avais compris, oui. Du moment où ça touche au LGBTQIA+, voilà. Et à tout ça, ça devient tendancieux. L'alphabet bleu blanc rouge, enfin l'alphabet tricot, enfin quoi, toute couleur là. Il y en a plusieurs, non, je sais pas, 4, 5. Non, il y en a 6, c'est vrai que je sais plus. Je sais pas, moi j'ai pas compté. Moi je compte pas non plus, je sais qu'il y a beaucoup de lignes avec différentes couleurs, hein, c'est tout. Comme mon hélicoptère. Ouais. Sauf que là, c'était des couleurs qui défilaient, pas des couleurs tout en même temps. Mais c'est plus genre licorne qui fait caca. J'ai jamais vu une licorne faire caca. Bah non, déjà j'ai pas vu de licorne. Ouais, voilà. Déjà, il y a un problème à ce moment-là. J'ai jamais vu une licorne. Bah c'est un cheval avec une corne, une licorne, c'est ça? Bah non, c'est moi si je pose mes couilles sur ton front aussi. Oh putain. Aïe 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 aïe. T'as fait une licorne avec des lunettes. Mais tu vois pas à travers. Vous connaissez Fabrice Eboué? Putain, ça va partir en couille. Tu connais ça? Oui, je connais. Oh là. Oh mon dieu, lui, ce mec, il me fait rire, mais d'une puissance. C'est bon, hein. Il est bonnard. Ah ouais. Surtout quand tu regardes son spectacle. Eh, hey, regarde, je te montre. On monte la soeur de mon frère. Oh la putain. Oh pardon. Mais t'es belle quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Mmh,
les Skoda Octavia combi, ça c'est non, quoi. On peut, j'ai même, on j'ai même compris comment on allait. Bah après les Skoda, moi sur Oralas. Ouais. Moi il y en a une où ils ont en numéro, enfin en Alpha ils ont 5008 phase 1. C'est dommage. Hein. Bravo 5008 phase 2 en Charlie, un Rifter. Et en Delta, ils ont une Mégane 4. Ils ont même pas de Skoda sur mon département. Et une autre Circo en, pour les PS. Hein. Ils ont en Alpha une. En Alpha et en Bravo, ils ont deux 5008 phase 2. Donc les nouvelles générations. Et après, ils ont d'autres véhicules sérigraphiques qui servent à des. Par exemple, au GSP ou autre, mais pas au PS. Ça, le cynique, monsieur. Ah mais quand tu fais rouler les véhicules, ça peut vite monter. Hein. En plus sur le Scénic, alors sur les autres je sais pas, mais sur le Scénic nous on a découvert qu'il y avait un mode sport. Déjà hein. Putain j'ai des gros problèmes de tête là. Ah non. C'est bon c'est... C'est pas moi là. Hein. Si c'est... Bah, c'est pas moi là. Hein. J'ai 82 trucs. Hein. Wow. Moi j'en ai 19. Mais wesh pourquoi? Et là j'en ai 85. Mais le Scénic, ouais, mais déjà quand tu mets le mode sport, tu vois la différence entre le mode éco, le mode sport, et je sais même pas s'il y a un mode normal dessus, je crois, je sais plus. Mais tu vois la différence déjà. Le 3008, ah, le 3008 c'est spécial, t'as différentes versions. Moi je connais la version hybride, elle est. Je te dirais, ça va en vrai, elle roule bien. Après, c'est vrai que j'ai. On n'a jamais pris l'autoroute avec. Le 5008, on a déjà pris l'autoroute. Bon, c'est un 5008 quoi, ça roule. Mais oui, le Scénic, oui, déjà pris l'autoroute avec, ça roule bien. C'est sympa à conduire un Scénic. Après ça dépend si manuel ou automatique. T'as des avantages tant dans l'un que dans l'autre. Ah le mode sport, tout passe en rouge en plus. Et moi, je me souviens la seule fois où quelqu'un a su comment fallait faire et l'a mis. Waouh, ça change la vie hein. Ça change la vie mais aussi la vitesse. Ah, j'étais un peu étonné sur ce coup-là. Voilà. Elle va pas sur internet parce que c'est des blagues de merde hein, sur internet. Non, mais c'est pas sur internet. Oh, ça, tu m'étonnes. Si tu trouves ça sur internet, c'est vraiment que bon, c'est la fin des haricots. Hein. Non, c'est sur TikTok, c'est normal. C'est sur TokTok. Si bien la voiture s'est déplacée, mais toujours gênante. Pas la BRI en enquête. Non, mais sinon on peut leur demander d'enlever le véhicule vu qu'ils font des AVP aussi. On leur dit ouais, il y a un AVP entre deux VL et hop, ils y vont. Oh, boîte auto Emmanuel. Non. Ah ouais. Et tu préfères quoi, l'automatique ou le manuel? Parce que moi j'ai eu l'occasion que de tester justement l'automatique et moi je trouve ça bien l'automatique. Pour de la patrouille, c'est très bien. Après, pour quand tu dois rouler, bon, je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. Et pour les longs trajets, c'est pas mal aussi. Après, l'avantage de l'auto, c'est que ça se gère tout seul. Hein. Après, bien sûr, hein. Chacun a ses envies, mais bon, des galères, c'est pour ça, c'est pour avoir, c'est quand même pour savoir. Pas des trucs. Ouais, une vidéo TikTok. Putain, en tout cas, c'est calme hein, cet après-midi. Hein. J'ai jamais vu une après-midi aussi calme. C'était pour mieux se réveiller ce soir, je crois. Ouais. Non, mais pourtant, on est vraiment pas mal. Hein.
Ça le pire. Ce soir, il y a la format. Format PN et GN. Qu'est-ce qui branle? Bah, il y a personne dans la voiture. Hein. Ah bah, la Mumu! Eh, Mumu! Mumu! La Mumu! Putain, il y a 10 Mumu, les gars. 10 Mumu en ville. Vraiment? Non, mais là. Il n'y en a aucun qui a pris sa place de service. Et il y a 8 GN alors qu'on est que 7 sur radio, tu vois. Il y a un truc qui est pas mal aussi. Bon, bah, ça me va, hein. Ça fait plus que ce qu'on est, mais ça me va. Ouais. Enfin. Ça, c'est peut-être un civil qui se balade. En gros, Manuel et Otto, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai eu un clochard au niveau de. Ouais, mais après, la... alors l'avantage de la, man... la l'avantage de l'automatique quand elle est en mode sport, c'est qu'elle mettra, elle passera les vitesses beaucoup plus loin dans le régime. Elle ira beaucoup plus loin dans le régime. Donc c'est quand même un peu plus avantageux, je trouve. Mais la manuelle, mais en mode automatique, tu vois, je ne sais pas. Il y a aussi le mode sport en manuel. Ah, ça peut être intéressant, je pense. Mais tu vois, c'est à tester parce que moi j'ai pas de. Déjà, juste j'ai pas de voiture. J'ai une seule. Non. Deux voitures. 1, 2. Sur 4 voitures. Oui, si, y a toujours des on en a deux manuels. Mais c'est pas les deux qu'on utilise le plus souvent. On utilise les deux automatiques le plus souvent. Mais sur les deux modes automatiques, bien sûr, il y a un mode sport et tout ça. Mais sur les manuels, le problème, c'est qu'on en a pas. Elles sont pas assez récentes pour avoir un mode sport. Donc, je sais pas ce que ça donne en manuel, un mode sport. Tu dois avoir plus de punch, hein, bien sûr, c'est sûr, c'est certain. Mais bon. Mais c'est, voilà, c'est pour être sûr. John Brooke pour la pomme unité. Parlez. Faut savoir si à quel endroit vous êtes. Non, pardon, c'est pas moi. Oh, tes souhaits alors pas tout à fait. En IRL je suis réserviste en PN, mais après j'ai l'occasion. Ah, à l'année je dois faire à l'année ça doit faire une moyenne de 2 vagues par semaine. Mais il y a des semaines où j'en fais aucune et il y a des semaines où j'en fais 3 ou 4. Même voir plus, et là ça dépend des moments, mais là il y a quelques mois, je tournais à 5 vagues à la semaine. C'était, je faisais autant d'heures qu'un. Je faisais le même nombre d'heures en fait que les brigades, parce que les brigades sont en 12 heures. Donc une semaine de 5 jours en 12 heures, ça creuse. Ça creuse surtout quand t'es pas habitué, mais bon, après, moi, m'en fous, j'ai du temps. C'est la question que j'ai du temps et surtout je suis très flexible, donc c'est pour ça que s'ils ont besoin, moi je peux me libérer. Là, bah c'est con pour lui, tu vois. D'accord. Mais oui, non, après je suis que réserviste. Hein. Mais pas que je conduise un peu, major. J'essaye en même temps de faire l'écrit du concours gardien. Mais bon, c'est vraiment l'histoire de dire. Mais après, moi j'aime bien le statut de. Enfin, j'aime bien le boulot qu'on fait en réserve. C'est l'habitude aussi. Après, je dis pas. De faire ça toute la journée, moi ça me irait aussi. Et c'est sur des petits circos que je fais ça. Personne n'a décrassé le partenaire depuis que je suis parti ou quoi. Oh là là. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas que ça reconduise? Parce que là, franchement. J'ai rien touché. Non, mais pour moi, j'ai très mal aux yeux. Et je pense que je suis pas seul à avoir mal aux yeux. Ouais, ouvre tes yeux, ça t'aidera. Et j'ai les yeux ouverts, mais je suis pas sûr que je sois le seul à avoir mal aux yeux. Il voilà, y a un truc qui s'appelle de l'eau, hein? Ouais, plouf plouf, glou glou. Ah, parce que vous savez nager, vous savez nager, mon lieutenant? Ouais, j'ai passé mon brevet de nage, je sais plus quand, mais. Avec une bouée. Votre brevet de nage? Gardez les brassards quand même. Brassards, ouais, tu sais, vraiment aux chevilles et aux mains, au cas où, hein? Comme le gendarme de Carramartin. Cool, oui, cool. En gros, maintenant, on utilise beaucoup plus l'automatique. Oui, bah après, ça paraît normal aussi. Hein. En patrouille la journée, bon, ça dépend des circos que t'as, mais en règle générale, qu'est-ce qu'on fait, là? Nous, on a deux circos où on a énormément de zones à 30. On a énormément de circos où on roule à 30. Et je sais que ouais, l'automatique, c'est vraiment un soulagement, quoi. T'es mieux. Après.
Bon, tu l'as fait, le manuel, bon, tu t'en rends plus compte, hein. C'est pas non plus le truc le plus chiant de passer les vitesses. Hein. Les anciens, quand ils avaient que des manuels, ils le faisaient. Hein. Vous pouvez mettre un coup de polish, s'il vous plaît. Mais, ouais. À vos ordres, Major. Mais ouais, moi je te dis, je m'en fous un peu. Mais après, voilà, c'est qu'un détail. Hein. C'est pas... Mais c'est sûr que sur les longs trajets, moi je te dis, sur les longs trajets, quand ça m'est déjà arrivé, quand tu dois faire du transport de détenus, pour les, par exemple, les emmener au CRA, ou ça m'est arrivé qu'une seule fois, l'autre situation que je vais te dire, mais pour aller faire une présentation extra-département... Faire une présentation en extra-départementale, c'est... Pour rester avec le collègue. Bah, c'est quand même mieux. Surtout vu la conduite qu'il a, que le conducteur avait adapté. Hein. Aussi, t'as vu un bon Sonnel. Comment? Aussi, t'as vu un bon. Ouais, bah, moi, je vois des bombes partout, donc. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Là, c'est vraiment toi. Hein. Mais non. Ah bah non. Mais toi, on est deux quand même à le constater, donc toi au pluriel. Je vais ça. Très bien, il y a tout qui va bien là. D'accord. Oui, oui, oui. Quand on est vu, on dit toujours ça. Va voir, toi. Je vais rien dire, t'as la chance que t'as ton truc d'allumé. Hein, il y aurait eu des dingueries qui seraient sorties, je suis sûr. Ouais, voilà. En gros, maintenant. Ouais. Mais ouais, moi je suis. Ouais, moi je suis favorable aux deux en soi, parce que maintenant c'est pas les mêmes boîtes de vitesse aussi. Les boîtes de vitesse, elles sont, quand tu les passes, elles sont moins dures qu'à l'époque. On a failli remourir encore une fois. Oh là là, Rox, fais un effort sur la conduite. Bah, je crois que le flic s'est mangé une droite dans sa gueule. Mais ouais, moi je te dis, hein, franchement. Regarde comment il a rebondi le truc. Il se fout de ma gueule, lui, non? Il défonce tout. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est parti à la courette, hein? Non, il est là. Il est... Non, non, il est dedans. Enfin, bloqué, c'est ouais, bon, c'est bon. Quand je suis Jean Martin. Le coup, mon lieutenant, allez-y. Quand je suis Jean Martin, prioritaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Il est tombé par terre. Je transmets donc quand je suis Martin. Il commence à avoir mal, je crois, maintenant. Individus armés qui ont tiré, procède à tentative d'interpellation. Tentative. Monsieur, m'entendez? Monsieur. Je sais pas par quelle loi de la physique il est tombé. Ah, peut-être qu'il a fait. Attendez, je vais voir. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Vous m'entendez, monsieur? Monsieur? Je vous entends pas, je crois. Ou alors, il est pas très conscient. Ouais, il a pas l'air bien conscient, monsieur. Attends, j'ai contacté les SP. Non mais mon lieutenant, il est pas bien monsieur, il a juste fait un malaise. Oh c'est gentil. Vous intervenez généralement, il y a des coups. Ça c'est mort normalement. Ok. Que disent de Corge? Oui bonjour, on aurait besoin de vous pour une personne actuellement possiblement en train de simuler un malaise, mais on n'est pas sûr, au niveau du 90-28 suite à une interpellation non musclée. On a juste sorti l'arme, mais... 90-28. 9, nul, 2, 8. Non, c'est pas comme ça qu'on épelle les chiffres, je sais. Mmh.
VTUL, waouh, il m'invente des véhicules. Je ne suis personne pour juger les SP. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gars, bienvenue. Ça faisait un moment que je l'avais pas dit, tiens ça. Bon, bah, les pompiers arrivent. Je sais pas dans combien de temps, mais ils arrivent. On est la pomme combien? On est la pomme 3. Oui, tu crois qu'on est... Gorge de pomme 3. Transmettez pomme. Ouais, vous informez notre indisponibilité suite à l'interpellation d'un individu qui nous fait probablement une simulation de malaise ou un vrai malaise, on sait pas. Donc on a appelé les SP. Il nous demande même pas la loc, le corge, donc c'est pas mal. Hein. Moi je m'en fous. Ah, c'est si, c'est peut-être eux qui partent en fait. J'ai entendu VTUL. Non, VTULS. Je crois, VTULS. Je sais pas ce que c'est. Un véhicule tout usage. Léger semi. Ou semi-léger. Semi-léger mais inversé. Oui, je vous entends. Vous avez un petit malaise, monsieur ? C'est bon, c'est interpellé. Non. Un petit malaise de monsieur, là. Allez, bon courage pour la suite. Alors, les pompiers, je crois qu'ils ont pas compris le fonctionnement d'un... Je vous présente les pompiers sur le serveur, qu'ils ne connaissent rien. Oui, ils se sont garés derrière. Monsieur, vous avez mal quelque part ou pas? Bonsoir. Bah, pendant qu'on était en train d'interpeller, le monsieur est tombé. Voilà, on sait pas. Bah, il s'est mis là et on l'a juste un peu bloqué et on l'a un peu collé. Mais je comprends rien, les SP. Ils nous envoient un chef d'agré avec une VL. Je sais même pas de comprendre les pompiers là parce que je vais me faire un au cerveau, ça va me faire mal. Yes, j'ai entendu. J'étais en train de faire un délibéré ailleurs. Quoi ? Délibéré quoi ? Attends, je vais voir. J'étais en train de me demander, moi et ma caméra, pourquoi un chef d'agré vient tout seul ? Alors, il est chef de quel agré ? Enfin, il est chef de quelqu'un, mais de lui-même, je crois. De sa voiture ? Ouais, et il vient avec une VL. Alors, je sais pas comment il va transporter la personne. Poste de merde, hein. Dans l'eau, peut-être. Il va lui mettre la tête dans l'eau. Oh, pardon. Donc ouais. Oh, je crois que c'est quand même un beau but contre son camp, ça. De quoi ? Là, rien. Mais après, t'as les 5008 aussi. Les 5008, c'est différent à conduire, je trouve. Là, récemment, j'en ai... On va tester les M&M's caramel, c'est bon. Dernièrement, j'en ai conduit un. En plus, il était neuf, il avait moins de 10 000 km. Mais c'était les phases 2, là, ceux avec les griffes à l'avant. Les dernières générations, quoi. Il roule bien, mais après, je sais pas s'il y a deux modes sport dessus. Et après, du coup, j'ai déjà testé l'automatique et le manuel sur la phase 2. Sur la phase 1, jamais, mais sur la phase 2, en tout cas, c'est sûr. Après, je peux pas le dire, en fait. Je peux pas. Moi, je dirais que c'est... C'est...
C'est pareil en fait, mais je pense aussi. En plus, si je pense qu'il doit y avoir un mode port, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Mais moi, je trouve que ouais, ils ont de la patate, hein. Tu les fais monter, t'accélères un bon coup avec la bagnole en les faisant monter dans les régimes, le véhicule il y arrive. Hein. Facile. Facile, facile. Ouais, il est en train de lui prendre ses constantes. Bon. Putain, mais il sort son matos de son trou de balle. Ouais. Trop bien, j'aimerais trop avoir un stockage comme lui. Pratique. Hein. Pratique et efficace. Tu vois, c'est Dora l'exploratrice en fait, le gars, il met tout dans son trou de balle. Sac à dos, sac à dos. C'est ça, son sac à dos, c'est son trou de balle. Mais ouais. Quand il y a aussi du brigade humanique. Parlez. Je suis disponible, je sors de l'hôpital, je suis en attente de l'info de toute façon. Tu veux savoir qu'il y a la pandémie, je pourrais s'attendre, on est actuellement refus de tempérer. Bah allez, y'a pas de dire. Ok, c'est pris, je vais attendre. Il pète la forme le monsieur. Il va bien. Ah ouais, simulation, ouais. Corche de PAM 2. Informons, faisons retour au PEPSIC pour un placement JAV. C'est reçu, du coach. Mais ouais. En gros, ouais, c'est. Chaque voiture a ses compétences, hein. Le 3008, je le connais en hybride, moi je le trouve génial, hein. Il est sur. Enfin, moi je trouve surkiffant à conduire le 3008. Il est un peu. Je trouve qu'il est un peu plus. Il fait un peu comme une boîte de conserve. Il est un peu plus resserré à l'intérieur dans le véhicule. T'es un peu. Moi je trouve qu'il était un peu plus petit encore dans le 3008 que dans le 5008. C'est. Ça c'est spécial en vrai. Et par contre, je trouve que. Ouais. En hybride, il est complètement différent à conduire. En ville, t'entends l'électrique. C'est. L'électrique de l'hybride, c'est trop bien. Tu l'entends dans... quand tu patrouilles, c'est magique. Quand tu dois un peu accélérer, tu repasses en thermique. Et même les moteurs thermiques, ils sont pas mal. Hein. Ils sont puissants, les moteurs thermiques, hein, quand tu regardes. Après, dans le temps, je te dirais que moi, ça tient. 3 minutes, on n'a jamais eu de problème. Le Scénic non plus. On a des problèmes avec les 5008, ça c'est sûr. On a un problème. Quoi? C'est les deux cellules sans prise. Ah bah ils seront deux dans une même cellule, il y en a un qui dormira par terre. Hein. Non mais attends, les deux autres ils foutent le bordel là. Oula. Il y a des mères qui. Bah oula. Cartez où j'avais. Oh putain, d'accord. Alors là. Sortez-vous avec la casquette. C'est l'autre individu est sorti en donnant un coup de poing. Écoute, donc en utilisant écoute, un truc. Tu vas fermer ta gueule parce que je vais te la faire fermer. Est-ce que t'as compris, mec? Il passe à travers le mur. Tu rentres. Toi tu restes là. Va au fond de ta cellule, je te regarde. Va au fond de ta cellule. C'est des bavures ça, monsieur. C'est pas des bavures. Merde, mais j'ai pas fait exprès. Je me suis fouillé les yeux en fait. Contre le mur. Bavure policière. Ta gueule. Tu nous gonfles maintenant. T'arrêtes de faire ton cirque. Policière alors qu'on est à gendarmerie déjà. Et vous qui venez devant la gendarmerie, vous prenez, vous tirez des coups de feu devant le peloton. Et encore, c'est vous qui faites la bavure policière. Arrêtez de faire le chouineuse. Hey, j'en ai rien à cirer, t'es avec ton pote dans la bagnole, si ton pote il tire c'est pareil, t'es co-auteur. Hein. Non j'ai pas peur. Mais t'avais un flingue toi aussi donc arrête. Oui vous êtes des pros, vous avez rien fait, vous êtes une erreur de la justice, on connaît déjà le couplet, merci. Merci monsieur, vous avez tout résumé. Ouais non mais justement, vous dites tous la même chose donc bon. T'as les identités ou pas? Pas lui, il y a l'autre. Moi j'ai pris ça. Lui c'est. Calme-toi mon pote. Ah oui, attends, j'arrive gamin, j'arrive. Calme-vous, les temps, c'est pas la solution. L'autre, il veut quoi l'autre? Le chat? On rentre en colonne et on lui met tous un coup? Ah, mais j'ai l'identité.
Pour qu'ils comprennent. Attention. Bah venez, bah venez, bah bien. Passe pas devant. Oh joli ça. Allez, tais-toi. Hop, couché. Voilà. Vas-y, rentre, rentre. On évacue. C'est bon. Mais putain, mais tu commences à péter les couilles. Okay. T'as compris là? Ah, vous m'apprenez un truc. Oh, c'est comment? Oh putain, deux secondes, écartez-vous, puis je vais te défoncer. Ah, voilà, avec ta matraque, il est. Ah, voilà. Oh, ça, il fait deux. Tac. Oh, c'est bon là. Plein mon cul, moi. Hein. Ah, ok. Parfait. Ah, je sais pas. C'est une façon de faire aussi. Bon, j'ai la gazeuse. En gros, maintenant on utilise. Ah non, je relis trois fois le même message, je m'en rends même pas compte. Oui. Bah, c'est mon frère. Monsieur là. Hein. Bah, c'est votre frère. Tu viens, Saro, il est où là, Saro? Il s'occupe de l'autre là. En national, lui on va le dépa. C'est qui en femme? C'est pas nous. C'est pas vous. Et après t'as aussi t'as les rifters. Les rifters c'est commun en ville. Vous voyez sur radio il y a marqué Tony. Oui bah éteins et rallume, tu verras il sera qu'une fois. Éteins et rallume, tu verras il sera plus. Brigadier, mec de sud. Oh les bleus là. Transmetteur. Finalement je vais essayer de vous rendre au niveau du plateau. Tu l'emmènes où? Je sais pas qui. Mais c'est l'autre imbécile derrière. Au tonton, je te défonce. Ok, je suis. T'es menotté toi derrière, donc t'as pas y touché. J'ai fait quoi? J'ai rien fait. Oui, bien sûr, oui. Prends-moi pour un con. Tu vas prendre un avion, tu vas voir. Déjà, je suis pas migrant. Quelle insinuation, monsieur, c'est magnifique ça. Nique les Arabes. Non, non. Je peux lui mettre un papier là. Alors Twitch, je tiens à vous informer, c'est pas moi, c'est le monsieur derrière hein, qui a dit ça. Eh t'arrêtes! C'est bon. Voilà. Putain, c'est... Eh ouais, mais bon, putain. Les cassos comme ça, on peut rien faire contre ça, putain, c'est chiant. Ça se trouve, le gars il a fait intentionnellement. Je gendarme la pomme. Parlez. On va te mettre une prise de service en attente d'affectation, bonjour. J'ai reçu, est-ce que vous avez des spécialités? Normatif DSR, mais si vous voulez, je peux partir en femme si vous voulez. On a recherché Saro. C'est reçu, dans ce cas-là, je vous laisse aller. Bah non. Malik, Mekdesi, vous fermerez la pomme 03. T'es con quoi? Ah, c'est reçu. Y'a un problème? Ah ouais, frère, on part en course poursuite, t'es là, tu nous arrêtes. Elle était en contresens, toi, y'a pas de problème. T'es con, toi, si tu veux. Vas-y, je crois que. Ça a l'air d'être un casseau, celui aussi. Waouh. Allez, BTA, j'arrive. Au moins. C'est rapide hein. On va remonter dans le nord là, ça me gonfle là. J'ai l'impression que je vais tous les détruire. Il est là Sonnel là. Merde. Bah il est pas sur radio là, il est encore en train de s'occuper d'un gars en Java. Je vais te le chercher si tu veux. On le reprendra au retour hein, tu sais. Hein? On le reprendra au retour. Yes. Nous avons un barrage au niveau de la frontière. Toutes les personnes tentent de le forcer se feront tirer dessus. Quoi? C'est quoi? Je lance la fin de la pomme. La fin de la pomme de effectif. Bah attends, mais il est où cette frontière? Je sais pas quoi là. Moi je sais pas où c'est.
même pas vu l'appel. Mais c'est pas dans un appel, hein, c'est dans les papiers de l'île. Nous avons un barrage au niveau de la frontière. Toute personne tente de le forcer se feront faire les pneus. Mais la frontière, c'est le péage. 3057, j'ai un zip. Ah, c'est le péage, c'est la prison, t'inquiète. Je connais. Ouais. Tu veux vraiment pas que je conduise juste pour sortir de la ville? Hein? Hein? Ça a l'air compliqué. Je prends le bleu, t'inquiète. Oh, oh, vas-y, je viens. On va passer par là. Là, c'est bon, j'ai plus rien. Allez, la meilleure blague, quoi. Ouais, après. Qu'on est passé! Voilà. Gendarmerie nationale, merci de vous mettre sur le côté, là. Mickey, Mickey. Attention! Attention! Vas-y, je te le repasse là. Non, non, roule. Se verront. On a dû partir en urgence là. Viens le décerne. Attends, là, je suis en train de vérifier les véhicules qui sont devant le pays. On l'attend le DSR. Hein? On vole à 250 km. Hein. On l'attend le DSR ou pas? Ça redéporte toi le DSR quand tu peux. Femme 06, merde. Quand 06 de la femme 03. Parlez. De eh, c'est pas nous hein, la PAM 3. Ah oui non. Moi oh, je suis fatigué. Corse. Ouais mais c'est moi. Bon les gars, je termine le stream là. Je commence à avoir des problèmes. Allez, bonne soirée. Et je vous refais un stream tout à l'heure. Allez bisous.